Je suis très très content et je suis très reconnaissant envers nos ancêtres pour la récolte très très abondante. Les ignames en abondance. Regardez comment nos terres ont produit de bons fruits. Oh oui. Oui, et nos épouses accouchent paisiblement. Et que vous pouvez le dire encore. Igwe, c'est parce que nos hommes les font paisibles. Oui, je suis également reconnaissant aux dieux pour la nouvelle jeune fille qui a rejoint la famille Nkentika. Blom, 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 blom. Félicitations. Nkentika. Nkentika. Ah, c'est un nom. Igwe. C'est une grande joie. Thank you.
Votre service, votre majesté. Nous devons partir en guerre. Oudé, Oudé, s'il te plaît, assieds-toi si tu n'as rien de raisonnable à dire. Ibe quoi? Juste ferme ta bouche si tu n'as rien à dire. Pendant combien de temps nous allons continuer dans cette humiliation? Pour combien de temps? Nous leur avons payé notre tribu avec nos récoltes. Et comme si cela n'était pas suffisant, ils sont en train de molester nos femmes. Ils ont failli notre royaume et tuent nos jeunes gens. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus si ce n'est pas la guerre? Quoi de plus? Hey, Ibe quoi? Je sais pourquoi tu veux que nous allions en guerre. Pour que nos enfants meurent et qu'on devienne sans enfants comme toi. Que le Dieu de notre terre te visite avec le feu et la foudre pour avoir fait un aussi horrible jugement me concernant. N'essaye pas de me défier. Tu me parles? Et ne m'estompe pas. Si je le faisais, qu'est-ce que tu dois faire la guerre? Ibekwe, contrôle ta langue. On doit se battre contre ta langue. Oui, on doit le faire. Les anciens de Umudo, arrêtez. Les anciens de Umudo, arrêtez. Je vous en prie, pouvons-nous juste arrêter cette folie? N'avons-nous plus de respect pour la royauté? N'avons-nous pas? Pourquoi devriez-vous vous crier l'un sur l'autre? Même dans la présence de Sa Majesté? Igwe! 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 Kossi, qui t'a fait ça? Igwe! Umoke! Umogu. Assez! Ceci est le comble! Nous devons combattre! Nous devons nous battre! Oh oui, on doit se battre! On doit se battre! Ils ont déclaré la guerre! La guerre! Ils l'auront! Je pense qu'ils ont assez de guerriers pour faire la guerre avec nous. Balanze. Votre Majesté. Nous, population de Umudo, nous sommes en effet très fiers de toi et de tes guerriers pour avoir vaincu nos ennemis qui voulaient nous détruire et détruire notre terre.
que les dieux de nos ancêtres te récompensent. Avec le pouvoir qui m'a été conféré en tant que roi de Omodo, je t'honore avec le titre de Ozodingboa Nkembo Omombo. Merci. Toi et tes guerriers pouvez avoir tout ce que vous désirez. Et concernant ceux qui ont perdu leur vie sur le champ de bataille, nous allons récompenser leur famille avec des terres arables. Ozodimboa Nkembo Lumodo. Que tu évolues. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Nous allons célébrer cette victoire demain dans l'après-midi. Ozo, occupe de ses corps et enterrez-les. Que vos âmes reposent en paix. Qu'est-ce qui peut bien déranger autant mon héros? Au point de ne pas penser à moi d'aussi beau matin, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'est passé quand j'allais à la brousse aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'était? J'ai rencontré quelques jeunes filles quand j'allais à la chasse. La façon dont elles m'ont salué, c'est comme si je suis en quelque sorte proche de la famille royale. Et c'est pour ça que tu es tourmenté depuis toute la journée? Très souvent dans la vie, les gens ignorent la valeur de ce qu'ils ont, jusqu'à ce qu'ils les perdent. On appelle ça l'opportunité, mais ça ne vient qu'une seule fois. Mo, tu me rends plus confus. De quelle opportunité parlais-tu? Le début est sucré, puis vient l'amertume. Je t'interdis de me toucher. Et vite. Pourquoi tu me parles ainsi? Même après toute ma bravoure sur le terrain de bataille? Le coq dans le poulailler prend conscience de ce qu'il est dès le premier jour de sa naissance. L'homme qui donne du respect aux grands prépare la voie pour sa propre grandeur. Ne traite pas de jungle la forêt qui t'a habité. Quand le roi est entouré d'un bon conseil, son règne demeure paisible et suprême. Un pied agité, dit-on, marchera dans la fosse à serpents. Mo, pourquoi sommes-nous même agités? Quoi? Ta connaissance est semblable à un jardin. S'il n'est pas cultivé comme il devrait l'être, on ne pourra rien y récolter.
Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Pourquoi tous les animaux dans la brousse ont disparu? Il n'y a même pas une seule antilope. Je ne vois même pas un petit animal comme le lièvre. Je m'en vais à la maison pour me reposer. Je ne peux pas imaginer qu'après avoir parcouru toute la forêt, il n'y a même pas une viande pour rentrer avec. Après une action de folie, viennent les remords. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ne me dis pas que tu n'as pas compris tout ce que j'ai essayé de te dire. Pour être honnête avec toi, Mo, je ne comprends pas. Peux-tu, s'il te plaît, me faire comprendre ce que tu veux exactement? Comment a été la chasse aujourd'hui? Ah, pour te dire la vérité, Mo, je n'ai vu aucune viande aujourd'hui, jusqu'à ce moment. Et à ton avis, où est-ce que tous ces animaux de la forêt ont bien pu aller? Peut-être qu'ils ont pu reconnaître les empreintes de tes pas. Et probablement qu'ils ont réussi à trouver une cachette pour que tu ne les vois pas. Peut-être. N'as-tu jamais imaginé à quoi ça pourrait ressembler d'être de la royauté? Imagine tout l'honneur, tout ce respect, sans parler de tous les privilèges. Un héros, c'est quelqu'un qui doit donner sa vie pour quelque chose de plus grand. Que veux-tu dire, Mo? Ojo, tu ne mérites rien de moins que le trône. Ça, c'est une abomination. Tu sais que je ne fais en aucun cas partie de la lignée royale. Pour un homme qui lutte et qui a remporté des batailles qu'aucun de nous n'a remportées jusqu'ici, Aumwagu, tu mérites bien plus qu'un titre ordinaire qui ne rapporte aucune fortune. Seuls les imbéciles vérifient la profondeur de la rivière avec les deux pieds. La vie est comme une ombre. Très vite, elle apparaît, puis elle disparaît. Le roi Ugumba, qui est actuellement assis sur le trône, ne s'est pas autant sacrifié que toi, tu l'as fait. Assez, femme! Assez! Va à l'intérieur et cherche-moi quelque chose à manger. J'ai faim. Bientôt, tu devras trouver quelqu'un d'autre pour te faire cela, si ma demande n'est pas accordée. Only the head that deserves the crown, the head that deserves the crown will wear it. Oh yes. Only the gods can do it. It cannot be taken by force. Qu'est-ce qu'une femme pourrait bien attendre de plus de son homme, si ce n'est que celui-ci la supporte dans ses rêves et ses ambitions? En prenant ce qui ne m'appartient pas légitimement? Je t'ai été donnée par ma défunte mère, au nom de la relation qu'elle avait eue avec ton père. Et depuis lors, tous les deux avons commencé à habiter sous ce toit, en tant que mari et femme. Mais tu continues à refuser ce qu'on attend de toi. C'est de demander ma main en mariage. Il faut que tu saches une chose. Bientôt, tu ne pourras peut-être plus me trouver à tes côtés. C'est alors que tout ce pouvoir, cette bravoure que tu possèdes, s'affaibliront. Au fait, je me rappelle.
j'ai appris que la compétition de lutte des clans est en train d'approcher et que tous les plus grands lutteurs y participeront. Quant à toi, tu représenteras Umodo. J'ai une question. Vas-tu combattre Otika, Nti et Dikogu avec ta force naturelle, sans aide d'aucune force spirituelle? Est-ce que tu pourras? Anciens de notre terre, je vous salue vous tous. Votre Majesté. Oh non. Nous sommes tous réunis en ce lieu aujourd'hui pour parler de la compétition de lutte qui est imminente. Et nous sommes aussi ici pour parler de comment bouger la vie de nos jeunes pour les apprêter à cause de la même compétition de lutte. Parce que la compétition de cette année ne sera pas comme toutes les autres compétitions. Oh oui, ça en exactement. Sera une très spéciale. Oui, mais oui. J'ai entendu que Mti, le grand lutteur des Agbako, va aussi compétir, bien sûr, nous savons. Non seulement lui, même Ochika et Dikogo viendront aussi. Oui, nous nous préparons pour eux. Nous devons donc rassembler nos jeunes et les préparer pour cette compétition de lutte. Plus jamais on ne devrait perdre face à personne. Et la chose la plus importante, c'est que nous avons commencé à nous préparer très tôt. Hein? Nous devons gagner la compétition de cette année. Oh, Bidike! Votre Majesté. Oui, mon roi. Va dire à Ozoak Balanze de rassembler les jeunes dans le cadre de la préparation pour la compétition de lutte. Vas-y tout de suite. Oui, Votre Majesté. Comme vous le souhaitez. On organise cette situation. Obligé. On organise cette situation. Franchement. Que veut-elle que je fasse? Aller renverser le roi? Pourquoi voudrait-elle que je fasse ça? Wanimo, je ne savais pas que tu es ainsi. Quelle est exactement la motivation derrière son action? Aucun membre du conseil ne doit entendre ceci. Sinon, je me blâmerai moi-même. Les dieux de nos ancêtres. Vous savez que je me suis toujours contenté du peu que vous m'avez donné. Ozo. Ozo Balanze. Ozo Balanze. N'y a-t-il personne ici? Et qui peut être celui-là qui crie mon nom comme ça? C'est moi, Obidike, le garde du roi. Quel bon vent t'amène chez moi? J'ai un message pour toi provenant du roi Ozo. Parle. Le roi a ordonné que tu puisses rassembler et préparer tes hommes pour la compétition des luttes qui aura lieu bientôt. Retourne et dis au roi que je ne suis pas prêt pour une quelconque marche de lutte. Abaranze. Tu m'as entendu. Et tu es en train de désobéir aux ordres du roi? Je ne le ferai pas. Je connais très bien mes raisons. Tu peux partir. Très bien alors. Je vais passer ton message au roi. Je m'en vais. Ozo, quelle est cette nouvelle que nous attendions à propos de toi? Que tu ne veux pas participer à la prochaine compétition de lutte? Votre Majesté,
je vois que je dois laisser tomber certaines activités dans Omodo. Considérant mon titre. Ton titre? Hey! Ah! C'est quoi ça? Mais ton titre n'a rien à voir avec le fait que tu puisses participer à l'une des activités de notre terre. Notre terre des Omodo. C'est censé te motiver pour agir et de plus participer à tout ce que nous aurons à faire ici. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi? Ozo. Maintenant, dis-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les chefs ou parmi les villageois qui t'a offensé? Aucun. Alors, c'est quoi le problème? Sais-tu le prix qui est en jeu? Si les guerriers venant d'une autre communauté viennent et battent les guerriers de notre communauté, ils prendront la main de la princesse en mariage. Et tu sais ce que c'est? La royauté quittera notre communauté pour une autre. Ozo, ça c'est une abomination. Jamais. Réfléchis. Cela ne peut pas arriver. Réfléchis, mon ami. On ne doit même pas ça y penser. Je ne comprends pas. Que le Dieu l'empêche. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Jamais. Ozo a balancé, mon fils. Ozo, je dois vraiment être sincère envers toi pour te dire que tu ne vas pas faire ça. Tu ne peux pas. Mais dis-nous, c'est quoi le problème? Et laisse-nous le résoudre collectivement. Attends, Ozo Abalanze. Vraiment, est-ce que tu réalises que les jeunes de cette terre et tous les enfants mâles et toutes les maisons de cette terre, ils espèrent tous... Voilà le problème exactement. Les réalises-tu? Et que penses-tu de la jeunesse réunie et même ensemble? Et que tu ne sois pas au milieu d'eux. D'après toi, qu'est-ce qui va arriver? Ozo, s'il te plaît, regarde tout autour d'ici. Nous sommes tes pères et tes anciens. S'il y a quelques problèmes, fais-le nous savoir. Qu'on les résolve collectivement, ici et maintenant. Ozo Agbalanze, je vais te donner le temps d'aller réfléchir à ta décision de boycotter la compétition de la lutte. Et je veux que tu reviennes nous dire ta nouvelle position avant le jour J. Votre Majesté, le délai que vous lui donnez est très loin. Qu'il vienne aujourd'hui ou demain. As-tu entendu ça? Tu peux partir maintenant. Je ne peux pas me soumettre à sa demande et je ne veux pas aussi être humilié à la place publique du village. Donc, je ferais mieux ne pas aller combattre. Le caractère d'un homme le définit. Il est simplement inséparable de lui et il le suit partout où cet homme se rend. Alors, comment peux-tu me définir? Tu es un lâche. Et c'est ça qui te conduira à ta destruction. Mo, pourquoi veux-tu que je m'approprie ce qui ne m'appartient pas? Si je fais ça, le village entier sera dans le chaos. Et toutes mes générations à naître le regretteront. Et mes ancêtres ne seront pas contents avec moi. Pourquoi ne pas demander une autre chose au lieu de me pousser à faire ce qui mettra ma vie en danger? Tu penses que je suis heureuse à rester assise là-bas, nuit et jour à faire des incantations? Je veux une nouvelle vie. Je veux que mes futurs enfants soient de sang royal. Mais tu es en train de l'approcher de façon gauche. Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? L'attention, l'amour, la protection. Et tu penses que c'est tout ce dont une femme a besoin? Que
Que veux-tu réellement? Si tu vas à la compétition et que tu bats tous les autres guerriers, tu te marieras à la princesse et tu deviendras un roi. Quelle différence cela ferait si nous deux nous travaillions ensemble? Tu deviendrais le roi et moi, je serais la reine. Je t'en prie, aide-moi à goûter à cette royauté pour laquelle je me suis battue durant toutes ces années. Quant à moi, je te servirai et je te serai toujours humble. Plus de pouvoir, plus de force te seront ajoutés. Je t'en prie. Je ne peux pas le faire. Alors, reste assis et regarde les catastrophes qui vont s'abattre. C'est assez, toutes tes menaces. Assez. Vas-y. Va faire tout ce que tu veux. Mais moi, Agbalancé, je ne vais pas céder à tes menaces. Va faire de ton pire. Fais de ton pire. Only the head that deserves the crown. The head that deserves the crown will wear it. Est-ce qu'il y a du mal à ce qu'un ami visite son vieil ami? Non, ce n'est pas comme si je l'ai pris mal. Tu vois, excuse-moi d'avoir posé cette question. Parce que tu sais, ça fait vraiment longtemps que tu es venu me rencontrer. Je suis Otika. Y a-t-il pas quelqu'un d'autre pour me défier? Mon roi, puisque vous n'avez plus personne, plus de guerriers dans votre royaume, je suis votre nouveau beau-fils. Thank you.
Ce jour est le jour le plus heureux de ma vie. Ozor Balanfe, lève-toi. Vous savez, un homme humble est toujours un homme humble. Exactement. Oh oui. Exactement. Oui. Effectivement. Sans doute, Ozor Agbalanze a fait ses preuves d'un grand homme pour ne pas laisser Omodo de tomber dans la honte. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Et je
remplirai ma propre part de la promesse. Igwe. Aujourd'hui, je remets ma fille unique et princesse de Omodo à Ozoagbalanze comme son épouse. Vos acclamations. Votre Majesté, vous m'avez appelé. Va dire au grand prêtre que je veux le voir dans mon palais. Tout de suite. À vos ordres, Votre Majesté. Tu peux y aller. Aucune réponse venant des dieux. Votre Majesté, tous les efforts conjugués pour le réanimer ne semblent pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Assez pour tes paraboles infructueuses. Et dis-moi quelque chose de raisonnable. Je veux une réponse. Qu'est-ce qui trouble la princesse de Umudo pour qu'elle se retrouve dans mon abri à cet instant? La princesse a besoin de ce qui va la rendre heureuse. Ma princesse, ce que tu cherches ne relève pas de ta compétence. Homme sage, as-tu pensé à ce qui peut arriver si le trône reste vide sans un document? Que les dieux nous épargnent de ceci. Ma princesse, pourquoi une pensée si horrible? En tant que l'unique fille du roi, si alors mon père mourait et que mon proposé ne se réveille pas de son coma, qu'est-ce qui va arriver au village de Modo? Ma princesse, comme la princesse de Umudo, tu mérites un homme que tu appelleras mari. Mais ma princesse, il y a d'autres secrets qu'on ne peut pas te révéler faute de temps. C'est en fait une nécessité et devra être respectée. Même en tant que la seule enfant? Ma princesse, ils te seront justement révélés au moment qu'il faut. Mais pour le moment, apaisons-nous. Ma princesse, tu peux maintenant partir, ma princesse. Rentre à la maison. Il y a quelque chose que nous devons arrêter de faire, attendant quelqu'un qui doit changer notre vie. Paye pour la patience pour laquelle tu avais voulu. À la fin de la journée, il y a deux choix à faire dans l'amour. Le premier est celui d'accepter quelqu'un. Juste comme il est. Et le deuxième
et de s'en aller. Nous avons toujours voulu vivre une vie très extraordinaire. Je vais rester avec toi. Même si cela va me prendre beaucoup de temps. Princesse, pourquoi es-tu assise ici en pleurant, ma princesse? Tu veux te faire du mal? N'est pas être à ses côtés et comme fuir la mort. Comment je peux quitter? Je le regarde, mais il ne me parle même pas. Ça va, ma princesse. Je te promets que tout ira bien. Juste essaie de dormir un peu. Il est déjà tard. Non, papa. Le sommeil ne pleut pour moi. Comment je peux dormir lorsque la seule chose qui me rend vraiment heureuse m'a vraiment été ravie? Comment je peux partir s'il n'arrive même pas à me parler? Tu t'es assise avec lui durant toute la journée. Je pense que tu as assez faire, ma chère. S'il te plaît, va dormir. Va dormir. Tout ira bien. Nem, mon père, je veux rester avec lui. Peut-être que ce sera un moyen par lequel il va reprendre la vie. Je veux rester ici. Peu importe le temps que ça va prendre pour qu'il reprenne ses états. Je vois que les ténèbres ont pris la place de la lumière dans ton cœur. Je prendrai ça pour un compliment. Écoute-moi bien. Une mouche têtue qui refuse d'abandonner le cadavre va le suivre dans sa tombe. Toi et moi n'avons plus rien en commun. Pourquoi ne pas libérer la voie et me laisser passer? Ha! Je ne pourrai pas vivre te sachant au-dessus de moi, Aoumoudou. Ah! Cela sonne très pathétique. Je suis effrayé. Laisse-moi te demander, pourquoi nous battons nous-mêmes? Pourquoi? Tu t'es tenu sur mon chemin, au moment où tu m'as désobéi et que tu as choisi de faire ta volonté. Juste quand je pensais que devenir la reine d'Oumoudo allait devenir une réalité, tu m'as empêché de le réaliser. Comment oses-tu même penser que ça arriverait? Qu'est-ce qui est arrivé aux hommes de Oumoudo et le roi sur le trône? Jamais dans l'histoire de Oumoudo cela est arrivé. Même si tu as gagné tout le cabinet, moi, Ozang Balance, je m'assurerai que tu n'atteignes pas ton objectif. Eh bien, tu ne seras pas en vie pour me voir régner sur toi. Thank you.
Some decisions are meant for the gods. Only the gods can choose the one. Whom the cup fits, let them wear it. Whom the cup fits, let them wear it. Pourquoi prends-tu du plaisir à attrister les gens? Pourquoi es-tu ici? As-tu changé d'avis? Adhérer à tes plans diaboliques est la dernière chose que je ferai. Dans ce cas, je t'infligerai plus de souffrance. Plus? T'en perds la justice avec de la pitié. Elle est une femme comme toi. Et si je ne le fais pas? Will wear it. Oh yes. Only the gods can do it. Is your quote. It cannot be taken by force. Qui ose emprunter le même chemin au même moment que moi? Qui ose s'opposer au léopard vers sa tombe? Qui? Chers enfants, vous n'allez pas rire quand la lionne sort de sa tanière pour s'amuser. Un autre pouvoir. Il s'agit de moi. La léoparde qui règne dans la forêt. Le grand éléphant dont le pas fait trembler la terre. L'aigle, les yeux de son père. Oui, c'est bien moi. Moi, Iman. La seule qui a eu le courage d'arrêter le singe pour qu'il n'aille pas jusqu'au bout de sa pêche. Alors qu'il était perché sur un arbre, je lui ai jeté un sort. Il en est mort avant de réaliser que c'était l'œuvre de mots et non pas une balle qui l'a tué. La grande, s'il te plaît, mets-toi. Garde cette place. Je n'en ai absolument pas besoin. Je ne suis pas ici pour une visite de courtoisie. Alors, à quoi dois-je cette visite? Oignez-moi. Tu m'as contrarié avec ce titre. Tes paroles sont vraiment troublantes. Comment est-ce qu'ainsi, grand titre peut-il te contrarier? Les gens importants méritent les grands titres. Des plus grands que sa grandeur. Alors, elle mérite un grand titre. Mon est grand, mais aisé est bien plus grand. Est-ce que mes mots sont marrons? Fais attention, surtout ne plaisante pas sur ce sujet. Assez de ça, assez. Voyez-moi, assez. J'ai supporté tes folies il y a très longtemps. Souviens-toi que les léopards se croient être le roi de la forêt, à l'absence du lion. Et avec tout le lion, il n'y a pas match avec un jeune léopard. Tu as peut-être été un grand chasseur et protecteur de Umodo. C'était en ton temps. Mais actuellement, c'est mon temps.
Donne-moi le masque de I. Et je te laisserai tranquillement te pavaner sur la route de tes gloires passées. Le masque de I n'est pas à moi pour que je te le donne. Dans ce cas, je vais le prendre. Je l'ai eu. Tu dois être la fille la plus belle de Umodo. Tu vois, je pense pas qu'il y ait une fille qui te dépasse en beauté dans toute cette terre. Ma mère a dit, je suis un enfant inhabituel. Que quand tous les enfants sortaient des entrailles de leur mère, ils criaient... Tu sais comment je criais? Aboué. Regardez mon abou. Regardez mon abou. Sois un peu sérieux, s'il te plaît. J'y suis sérieux. Tu vois, j'aime vraiment Abou. Et spécialement avec la soupe de Bekali. Je peux faire cette combinaison les matins, à midi et les soirs. Vraiment? Oui, pour tout ça. Tu es toujours mince comme une tige de balai. Allez, arrête ça. Après tout, mon père a dit qu'un homme ne doit pas grossir. Sauf s'il est marié. Hein? Donc ton plan est de prendre du poids? Et avoir un gros ventre comme Mazé Okeke. Lorsque tu vas te marier, c'est ça? Mazé Okeke. Sans effet, oh, je ne peux pas être comme Mazé Okeke. J'aurai juste un petit ventre. Pour montrer que j'aime la cuisine de ma femme. Sérieux? Tu es comique, toi. Je n'aime pas avoir de ventre, tu sais. Mon père. Ma fille. Pourquoi un soudain intérêt sur le masque de I? Nous ne pouvons pas comprendre toutes les saisons de la vie. Nous ne pouvons que couler avec elle. Ces nuages qui se rassemblent tout autour de Omodo. Et toi, d'entre tout le monde, tu ne devras pas être ici quand la pluie viendra. Papa! Je veux maintenant que tu emballes tes affaires. Et que tu ailles dans la famille de ta mère. Immédiatement. Mais tu dois l'approuver par Marie Tchougoudoubé. Ce sera par son désir, papa. Pardon. Je dois honorer mes paroles. Et si je dois le faire, tu dois emballer tes affaires. Et aller dans la famille de ta mère. Immédiatement. Qu'est-ce que tu me caches, papa? Je vais savoir. Je veux savoir, s'il te plaît, pardon. Ça sera révélé dans les temps. Mais maintenant, fais ce que ton père demande. Mes frères anciens, votre majesté, nous devons faire quelque chose vite avant qu'elle nous tue tous. Oui, nous ne disons que la même chose. Mais comment allons-nous l'arrêter? Et surtout qu'elle porte un masque. Peu importe les moyens, nous devons reprendre le masque. Comment? Pourquoi parles-tu comme si tu n'es pas de Umodo? Regardez, si le masque est aussi puissant qu'on le prétend, pourquoi les dieux auraient-ils permis à Wanyemo de ravir le masque chez Onou? Exactement. Exactement. Ça pourrait aussi être la raison de leur silence. En mettant nos vies en danger? Ah ah!
ne permettons pas à nos bouches de dire des choses abominables. Si nous ne voulons pas attirer la colère de Dieu. Je pense que nous savons tous ce que ça veut dire. Le fait que Wanyemo soit en possession de ce masque. Les dieux ne doivent pas seulement nous avertir, ils doivent agir vite. On risque de se réveiller un jour et trouver tout le monde mort. Ancien de ma terre, s'il vous plaît, je veux que nous allions directement à la conclusion. Laissez-moi vous dire, la volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes. Votre Majesté. Je pense que nous devrions consulter les dieux pour leurs conseils. Premièrement, Arbalanze n'a pas encore retrouvé sa santé. Et il est toujours couché là-bas, sans faire de mouvement. Et maintenant, le symbole de l'autorité de Omundo a été emporté par une femme. C'est ce qui est pire. Enfin. Oui, votre majesté. Va rapidement chez le grand prêtre. Dis-lui que je veux le voir dans ce palais immédiatement avant que cette situation nous dépasse. Merci, comme vous le souhaitez, mon roi. Aidez Dieu. Est-ce que les dieux nous ont parlé? Les dieux gardent toujours silence et lui est dans un profond sommeil. Seuls les dieux peuvent décider de ce qu'il adviendra. Alors pourquoi les dieux gardent silence? Seuls les dieux peuvent donner réponse à cette question. Qu'en est-il du masque de symbole qui a été emporté? Les dieux ne disent-ils rien à ce sujet aussi? Votre Majesté, je ne suis pas en position de parler de la part des dieux en ce qui concerne le masque de I. S'ils entreprennent une action, on verra. Mais puisqu'ils n'ont rien fait ni parlé, nous devons attendre. Je dois partir maintenant. Hein? Est-ce qu'ils savent les risques que nous courons en lui permettant d'être en possession du masque? Bien sûr, ils le savent. Mais pour combien de temps allons-nous continuer d'attendre? Aussi longtemps que nous n'avons pas d'ennui. Seuls les dieux peuvent le dire. On dit que la connaissance est une richesse. C'est l'une des choses que nos ancêtres nous ont léguées et pour laquelle j'ai le plus profond des respects. Il faut soulever des montagnes pour l'acquérir et s'en servir. Quand quelqu'un décide de suivre le pas de ses ancêtres, il a en effet décidé de marcher comme ses ancêtres. Regarde, personne ne peut impressionner l'arbre de Mpambu. Quand les fous parlent, les sages écoutent. Le cœur d'un homme sage est aussi calme qu'une eau profonde. La connaissance sans le savoir, c'est comme de l'eau sur le sable. Quand les crises se multiplient, les sages en trouvent la solution. Mais tu sais ce que font les fous? Ils en inventent des histoires inopportunes. Je ne suis pas ici pour une bataille de paraboles avec toi. Mais je suis venu pour te mettre en garde. Ne marche pas sur mes plates-bandes. Comment oses-tu m'avertir? Comment oses-tu? Moi, Nazome Kakumatanzete, est-ce que Kakoko Kakokita? Tika Tota la Kassi. Tala Mono. Mai e inakamutute. Kakando kindaku kimaka mai. Je serai avec toi où que tu ailles.
Asnamulina choa du fer. Okemele. Ma sœur, ce qui arrive à notre royaume commence à m'inquiéter. Tu veux dire quoi par là? Comment le Dieu reste calme et permet à Mon de prendre le symbole du royaume? Tu parles comme si tu n'étais pas de ce village. Ne me dis pas que tu n'as pas vu comment elle se prend, même comme une femme. Penses-tu qu'elle est ordinaire comme nous? Tu sais, ce problème dépasse vraiment mon entendement. Parce que tout ce qu'elle fait maintenant, elle le fait juste pour son ego. Sûrement quelque chose qui la pousse à faire ça. Comment osez-vous partager la baignoire avec la donneuse de soupe de Omodou? Qui vous a donné le pouvoir de parler de mal de celle qui vous donne la vie? La toute puissante, à toi l'honneur. Nemo. Mais qui vous pourchasse? Mon. Mais parlez-moi. Quel est le problème? Votre Majesté. Mon père, je suis fatiguée de toutes ces choses. Abalose est dans un état de coma. Ça fait beaucoup de jours maintenant. Et les dieux sont toujours silencieux. Je crois que je ne saurais plus attendre jusqu'à ce qu'il reprenne sa vie. Ma princesse, je suis inquiet et confus que toi. J'ai besoin de quelqu'un qui me succédera sur ce trône quand je ne serai plus là. Mais ce qui se passe à Omodo en ce moment me rend beaucoup plus inquiet, ma chère. Je ne suis plus jeune comme il y a quelques années. Je prends de l'âge. Papa, il n'y a pas une autre alternative? Au lieu d'attendre l'homme en question, dont je ne sais même pas quand est-ce qu'il va revenir à la vie. Oui, il y en a. Mais nous devons attendre que les dieux révèlent la vérité cachée. Donc, patience, ma princesse. Patience.
L'œil des dieux. Les dieux ont brisé leur silence concernant Ozo Abalanze. Donc? Abalanze n'est plus en vie. Non. Non. Les dieux ont décrété que son corps soit jeté dans la forêt diable. Non. Mais avant ça, il faudra permettre à la princesse de se choisir un autre mari. Papa! Homme sage, comment vais-je m'y prendre? Ma princesse, le roi de Umudo fera appel à tous les garçons de ce village. Tous les garçons, il faudra que tu en choisisses un, que tu désires être ton mari. Mais tu dois faire savoir, Dieu, que nous ne pouvons pas. Ça sera une mauvaise manière de faire les choses. Tordre le cou à notre coutume. Votre Majesté, je ne suis rien d'autre qu'un messager et je ne vous donne que ce que les dieux me donnent. Votre Majesté, agissez vite avant qu'il ne soit tard. Papa, je t'avais dit qu'il n'est plus en vie, mais tu n'avais pas cru à mes paroles. Je voulais entendre des dieux avant de prendre toute une autre mesure. Ozo. Ozo. Quelle honteuse façon de mourir. Umudo se souviendra toujours de toi. Ozo Abalanze. Umudo te souviendra toujours de toi. Mais je ne suis pas encore convaincu. Je ne suis pas encore convaincu. Papa, s'il te plaît, cherchons une solution. Je ne veux pas aller chercher de réponse dans un sanctuaire en dehors de celui du grand prêtre de Umudo. Parce que qui autre dans Umudo, si ce n'est que Wanyomo? Papa, s'il te plaît, trouvons une solution, je t'en prie. S'il te plaît, papa. Je sais que tu as dû épuiser toutes tes options. C'est pour ça que tu as fait appel à moi. Mais je ne dirai pas non, à cause de la considération que j'ai pour la royauté. Je vais guérir Abalanze à deux conditions. La première,
S'il est réanimé, il ne se mariera pas à la princesse. Deuxièmement, tu me céderas le trône et je deviendrai roi. Les dieux de nos ancêtres. Tout cela devient très compliqué et déroutant pour moi. Si mon oui apportera le retour d'une longue et durable paix à Omogo. Je dirais oui. Mais qu'en est-il de ma fille? Ma princesse restera célibataire durant toute sa vie. Et je perdrai mon trône. Si je dis non, Agbalanze, il continuera de rester couché sans faire de mouvement là-bas. Votre Majesté, je vous salue. Œil des dieux. Wanemo, pourquoi tu as choisi de tromper ton peuple, le peuple de Umudo? Comment oses-tu m'arrêter? Comment oses-tu? Makayaka to atamba mutu, mwanaka to atamba shangi. Wanemo, tu n'as fait que tromper et terroriser ton propre peuple. Mais tu es arrivé à la fin. Ce sera donc la fin de tes menaces. Je peux voir que le bouc veut se mélanger au mouton pour se faire remarquer. Votre Majesté, tout ce qu'elle vous a dit n'est rien d'autre que du pire mensonge et mensonge. Ce jour est le jour le plus heureux de ma vie. Ozoak Balanfe, lève-toi. Vous savez, un homme humble est toujours un homme humble. Exactement. Effectivement. Sans doute, Ozoak Balanfe a fait ses preuves d'un grand homme pour ne pas laisser Omodo de tomber dans la honte. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Et je remplirai ma propre part de la promesse. Igwe. Aujourd'hui, je remets ma fille unique et princesse de Omodo à Ozoak Balanze comme son épouse. Vos acclamations.
Wanyemo a cloué Abalandi au sol juste parce qu'il avait refusé de faire son désir. Elle ne voulait pas qu'Abalandi se marie à la princesse. Elle voulait épouser Abalandi par contre. Elle voulait qu'Abalandi se procure le trône de Umudo et qu'il lui rende reine. Et moi je sais très bien qu'elle a l'intention de tuer Abalandi et de rester reine de Umudo. Mais laisse-moi te demander, Wanyemo, pourquoi ce changement? Pourquoi vouloir le trône? Pourquoi demandes-tu le pouvoir? Le puissant. Donc, tu savais tout ça? Qu'en est-il de ce que tu m'avais dit l'autre fois? Qu'est-ce que je vous ai dit? Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici? Je vous interdis de l'écouter! Je vous interdis! Votre Majesté, elle est partie. S'il te plaît, calme-toi, hein? Oh? Peut-être que tu dois aussi aller dire ça au roi, tu vois? S'il te plaît. Nai. Papa! 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 J'étais en train de passer à côté du terrain qui est près de la rivière. J'ai vu des gens labourer ces terres. Ils m'ont dit que moi leur ai demandé de les faire. Papa! Tu m'as jamais dit que tu as vendu ces terrains. Je n'ai jamais vendu cette terre, mon fils. Elle l'a prise. Elle l'a prise. Et tu n'as rien fait. Qu'est-ce que ton père peut faire? Un jour tout même. Maman a tout ce pouvoir-là. Maman, oublie cette chose. Oublie-la. Père, si tu ne peux rien faire, regarde ce que je ferai. Tout même. Toi-même ne parle pas, s'il te plaît. Maman, laisse-moi tranquille. Laisse-moi être. Je sais très bien que tu connais les conséquences de défier quelqu'un qui porte un masque. La mort immédiate. La mort immédiate, mon fils. S'il te plaît, ne parle pas. Papa, je n'ai pas peur de la mort. Je préfère mourir que vivre comme un lâche. Non, accepter d'être lâche, des fois, ça paye, mon fils. Tu peux être lâche aujourd'hui et après tu deviens héros ou un guerrier. Pourquoi ne pousse pas me battre pour mes droits? Pourquoi ne pousse pas me battre pour mes droits? Maman Tikanga, le robot Mamoudou! Contrôle ta colère, mon fils. C'est très important. Mais non, calme pas, qui es-tu pour ne pas se laisser faire? Qui es-tu pour parler? Non, Igwe. Tais-toi! Non, elle exagère! Tais-toi! Elle exagère! Silence! 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 Comment pouvons-nous délibérer quand nous parlons tous au même moment? Les aînés de Umudo, s'il vous plaît, soyons ordonnés pour une fois. Votre Majesté, l'ordre s'est vraiment enfoui de Umudo. Où est cet ordre dont on parle quand un père ne peut plus protéger sa propre fille? Ce n'est même pas assez. Elle m'a ravi ma terre par force. Mon fils est tellement fâché. Il est devenu comme un fou. Cette petite portion de terre, c'est bien tout ce qui m'est resté comme richesse. Wanyemo, c'est permis de m'empêcher d'avoir mes ignames dans mon propre champ il y a 4 jours. Je devais me déguiser pour aller dans mon propre champ à la tombée de la nuit pour que je puisse récolter les ignames pour que moi et ma famille puissions survivre. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que tu racontes là? As-tu vu Itiokole ici? Itiokole n'a pas pu nous rejoindre ici parce qu'il a une côte brisée.
Il souffre pour avoir eu des mêmes problèmes avec Wanyemo. Oh oui, nous sommes traumatisés. Et quiconque osera la défier, mort s'en suivra. Peut-on imaginer? Voilà ce qu'elle désire. Igwe, nous sommes foutus. Les grands éléphants, le fleuve, les océans sèchent. Tes pieds et ta manière au sol de Omodou, les rivières tremblent à ta présence. Assa, la première. Odogu, la première. Nemo, ton trône t'attend. Wanyemo, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sac contient le masque sacré de Hi. J'ai une réunion urgente dans la famille. Ça nécessite ma présence. S'il vous plaît, mon roi, pourriez-vous m'excuser? Oui, oui, votre majesté, et moi aussi. Vous deux, vous allez rester où vous êtes et contempler ma gloire. Assis! Que veux-tu, Wanyemo? Je détiens le masque. Tout ce que je désire, c'est la couronne et le trône. Non, 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 c'est, non, pas, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, non. Wanyemo, c'est contre la tradition. Et tu n'appartiens pas à la lignée royale. Exactement. Et même si c'était le cas, seule la mort peut ravir au roi le trône de Oumou. Oui, bien sûr. Oh, oui, 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 oui. Très bien, dans ce cas, je vais porter le masque de Hii et vous tous allez mourir. Je tuerai chaque membre de la famille royale pour commencer une nouvelle lignée. Et ça me revient à l'esprit. Où est donc la princesse dont je parle souvent? J'ai l'intention d'en faire ma servante en chef quand je m'emparerai du trône. Tu sais, si c'est le trône que tu veux, je vais te le donner. Igwe. Mais ne fais pas du mal. Oh, ce n'est à pas mon possible. Peuple. Igwe. Le trône n'a pas de valeur sans le peuple. Elle tuera mon peuple. C'est pour ça que tu n'aurais jamais dû gouverner Umudo. Seul un peu réfléchi comme tu le fais. Je ne te permettrai pas de tuer mon peuple. Igwe. Igwe. Ah, que faites-vous? La première. Viens. Viens. La reine. Viens. Viens et récupère ton trône. Arrêtez votre majesté! Non! Arrêtez mon roi! Non! Non! Quelle que soit la taille de l'arbre d'Okra, ça ne devient pas aussi élancé pour dépasser la taille de son honneur. Comment oses-tu interrompre mon accès au trône? Comment est-ce que tu oses... Le trône des Umodo ne se lègue pas facilement. Moi... Oui. Porte le masque de Iye, Okenze. Arrête ce masque tranquille. Okenze. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, porte le masque. Je te défie. Je te défie. Porte ce masque. Je t'avais dit avant maintenant que un léopard peut se croire être le maître et le roi de la forêt. Mais seulement à l'absence du lion. Porte-le. Comment tu as fait ça? Comment est-ce possible? Tu n'es pas moi. Thank you.
Egbe. Belou. Oko. Belou. Kesi biya bena. Kukwaya. Oh, vous qui savez tout et qui voyez tout, donnez-moi une réponse. Oui. Ah, je vois. Le masque a perdu ses pouvoirs. Du moment qu'il est porté par n'importe qui d'autre que le roi. Tu ne m'amèneras pas à n'importe quel sang. Ce que je veux. C'est le sang pur. Du sang pur. Le sang d'une vierge. Partez et ramenez-moi deux vierges. Ma patience commence à atteindre ses limites. Allez! Faut-il que je les égorge? Tais-toi! Procède autrement. Avance ici. Étends ton bras à l'horizontale. Donne-moi le couteau. Apporte le masque. Mets-le sous son bras. Je vous conseillerais de vous retourner pour donner le dos au masque.
rien ne s'est passé? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Peut-être que tu n'as pas bien entendu. Ce n'est pas... Soit... Ai-je oublié quelque chose? Son sang est juste pur. Je veux te pur. Ta demande sera acceptée. C'est le seul moyen qui reste. J'avais appris que les devins, quand ils sont à court d'idées, n'hésitent pas à manipuler leurs fidèles. Avec diverses comédies pour qu'on ne se rende pas compte qu'ils sont incapables. Pourquoi tu perds ton temps alors? Si tu n'es pas au pouvoir de la traître mère, n'avais-tu pas ton propre pouvoir décidé avant de venir ici? Je ne doute pas du pouvoir de la mère supérieure. Mais je ne suis pas d'humeur pour la comédie maintenant. Dis-moi pourquoi il y a cette résistance. Tu dois choisir une fille particulière. Une vierge dans les lignées royales. La fille de Nolo. Donc l'une des filles d'Okenze? C'est une part de vérité. C'est le sang dont on a besoin. Le sang pur s'envolera comme le fumée. Et tu la ramèneras ici pour le sacrifice. Je termine le panier. Ça c'est bien. Maintenant on a un nouveau panier. Ça va nous aider pour la cuisine. Maintenant on a un nouveau garçon à la maison. C'est un bon boulot. J'emmène ça à l'intérieur le garder pour montrer sa part à papa. Ok. C'est un bon boulot. As-tu vu ça? Vraiment? Laissez-moi, stop. Rattrapez le garçon. On a trouvé celle qu'on cherchait, laisse-le partir. Stop. Maîtrisez les filles. Laissez-moi, je refuse. Non, laissez-moi. Aucune d'entre elles n'est la bonne. Que la divinité nous aide à trouver celle que nous cherchons. Mais alors toi tu sers à quoi? N'es-tu pas censé être un guide spirituel? Tu ne devrais pas connaître ces choses ici à l'avance. Trouve-moi maintenant du sang pur ou tu ne recevras plus d'offrandes venant de moi. Comment tu as fait pour revoir ceci?
C'est vraiment étonnant. Parce que même quand ta mère était en vie, elle ne serait pas à mesure de voir ceci. Comment tu as fait? Père, on dit que les chiens ne donnent pas naissance aux chats. Depuis le dernier crime où mes deux sœurs ont été assassinées, c'est comme si tu n'es plus ce grand homme brave de Umudo. Et comment juste une seule femme peut terroriser toute notre communauté? Père, je demande encore, pourquoi est-ce que cette fameuse Mo désire autant avoir ce masque? Mon fils, le masque de Yi est le symbole de l'autorité et de la royauté. Avant qu'un roi soit couronné, il doit faire quelques rites traditionnels qui impliquent quelques sacrifices pour la confirmation des dieux de la terre avant qu'il n'accède au trône. Donc, vu que c'est elle qui possède maintenant le masque, ça fait indirectement d'elle le roi. Qui sur terre penserait à ça? Hein? Quand le roi Ugombe est toujours roi, encore en vie. Cela va demander qu'on fasse quelques sacrifices, dont je sais très bien que elle ne peut pas y arriver. Parce que quiconque devrait faire ça doit venir d'une famille royale ou de ma maison et avec le sang d'une vierge. Donc, père, c'est pour cette raison-là qu'ils ont pris la vie de mes deux grandes sœurs. Pour quelque chose dont elles ne savent rien. Mais, père, qui a pu lui révéler tout ça? Je me pose la même question, mon fils. Père, qui est vraiment cette femme spirituelle? Moi, il ment. Et pourquoi est-ce qu'elle est plus crainte que les anciens de notre village? De la façon dont nos hommes étaient tués pendant la bataille. Nos femmes avaient décidé de rejoindre la bataille qui avait duré très longtemps. Personne n'aurait cru que les femmes étaient aussi courageuses pour s'engager dans la bataille avec le courage de guerriers. Okweme et ses guerriers étaient massacrés et vaincus. Et nos hommes étaient tués en grand nombre. Okweme était la seule femme qui avait survécu parmi toutes les personnes qui étaient parties à la guerre. Mais elle n'avait jamais accepté la défaite. Elle avait pris sa retraite, mais n'avait jamais abandonné. Fils, nous avons gagné la guerre avec l'aide des Ogweme et l'assistance des dieux de notre terre. Moi et les autres hommes que tu vois aujourd'hui avions aussi survécu. Père, mais tu parles aussi beaucoup d'une femme comme ça. Ouais, et moi. Et d'un titre. Lui donner pour avoir défendu
la terre d'Umuto. Mais son vrai nom, c'est Ogweme. Pourquoi elle reçoit beaucoup plus de respect que le grand chef lui-même? Elle possède le pouvoir de la déesse de la rivière, lequel est beaucoup plus menaçant et beaucoup plus craintif dans toute la terre d'Umuto. Nous devons mettre fin à ce silence. Mort et sa garde ont commencé ce qui ne pourront terminer. Je préfère encore être un rebelle plutôt qu'un esclave sur la terre de mon père. Eine! Eine! Papa? Viens t'asseoir à côté de ton père. Je ne veux jamais te voir loin de moi. Tu m'as entendu? D'accord. Oh. Ichiokeze, salut. Vous êtes le bienvenu. Ozoa Balanze et Dubem, bienvenue. Vous pouvez vous mettre. Petit, comment tu vas? Je vais bien. Vous êtes le bienvenu. Ichie, je suis très désolé pour la perte. Merci beaucoup. Abalanze, je t'ai dit la vérité. Ces filles étaient ma consolation depuis la perte de leur mère. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Naï, désolé pour te perdre. Merci. Je vous en prie. Merci. Est-ce que Udo est là? Oh. Elle est sauve. Elle est sauve où qu'elle soit. Et elle n'est pas présente, mais elle sera de retour aussitôt que... Tout ce mal passera. Mais Ichie, Waimon est juste une personne. Je ne te manque pas de respect. N'y a-t-il rien que Igwe puisse faire? Quand nous parlons, une équipe est partie à sa recherche. On va bientôt la trouver. Vous pouvez annuler vos recherches. Okenze, je suis ici. Et j'ai avec moi le sang pur. On se voit à mon couronnement, Okenze. Le toit, la lumière, le ciel, les mortels cherchent un refuge à ton souffle. Thank you.
Lequel d'entre vous a fait ça? Pardon. J'ai aucun problème avec vous. Soit vous vivez ou vous mourrez. Choisissez. Enfin, les dieux ont répondu à nos cris. Oudé, bien sûr que tu peux le répéter. Ouais. Pour avoir utilisé Abalanze et ton fils seul, pour reprendre le masque de Iye, de Oumoua. Enfin. Franchement. En effet, je ne sais pas pourquoi les dieux permettraient-ils que ceci se passe pour la première fois. Oui, regardez. Pour le masque. Que les dieux choisissent quelqu'un d'autre pour le gérer. Au moins que la paix règne dans ma famille. Que la paix règne dans mon foyer. Oh non! Es-tu maintenant en train de contredire les dieux? Ou est-ce que tu refuses ta position? Oui, je les refuse. Juste pour que la paix règne dans ma famille. Allons! Quelle abomination! Itié! Tu sais que cela n'est pas possible. Les Onowu est le seul détenteur du masque de Iye. Et cela vient toujours de ta lignée. Oui. Et ne peut pas s'arrêter à ton tour. J'ai pris ma décision. Amener la nouvelle au roi. Que moi, Okenze, le Onowu de Umodo, est démissionné. Onowu? Oui. Onowu? Assez de ça. Ndiche, on doit quitter immédiatement. Oui, on doit partir maintenant. Onowu, non. Non. Onowu est Kenze. Je t'ai toujours su être très courageux en tant qu'un homme. Ne me fais pas savoir que tout cela a été abandonné. Votre Majesté, perdre un chemin, c'est apprendre un chemin. Quand le leader d'une équipe est fatigué, toute son équipe se fatigue. Votre Majesté, je vous salue. Oh non, œil des dieux. Un chasseur à la poursuite d'un éléphant ne s'arrête pas pour lancer une pierre à un oiseau. L'œil des dieux, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai pris ma décision. Onowu, patience. La patience est la seule clé qui peut résoudre le problème. Jusqu'à quand serai-je patient? L'œil des dieux. Jusqu'à quand? Celui qui refuse d'obéir ne peut pas commander. Si tu veux commander, tu devras obéir. Démissionner à ton poste de Onowu va causer encore beaucoup de tort à ce royaume. Ça causera beaucoup de tort dans ce royaume. À condition que personne ne jette ou détruise l'amande de noix de palme. Elle doit grandir pour devenir un palmier. L'orage peut détruire le terrain. Mais les mauvaises manières d'une personne peut détruire une nation et détruire l'homme. La préparation n'a pas peur
La préparation n'a pas peur. Oh non. Beaucoup de choses se sont passées dans mon rêve, mais je n'arrive à me souvenir qu'une seule. Wani Mo a dit que je suis devenu son ennemi le jour que je lui ai désobéi en te choisissant au lieu d'elle. Je suis contente de ton courage. Sinon, tu ne serais plus ce que tu es maintenant. Parce que j'avais toujours désiré que celui qui sera mon homme, celui qui sera le premier à me découvrir. Also, tu as toutes les qualités qu'un homme peut vraiment avoir en tant que mari. Tout le temps que je sommeille, je ne fais que penser à toi. Et à toi seul. Je ne peux pas m'imaginer te laisser dans les mains d'un autre homme. Ça me sera très très impensable. Je remercie les dieux qui ont rendu ce jour possible pour nous deux. Obim, mon amour, amène-moi à l'intérieur et découvre ma nudité. Rends-moi une femme. Tes désirs sont des ordres, ma chérie. Alors, Dubé. Comment ça se passe? Tout se passe bien, juste comme tu l'as commandé. Ça, c'est bien. Tu sais que ce n'est pas une tâche facile. Je sais. C'est seulement ceux qui veulent revivre Umudu qui acceptent mon offre. Alors, comment va ta chérie? Elle va bien. Nous espérons que tu viendras nous rendre visite un jour. Oh, ça sûrement je le ferai, mais avec le temps. D'accord. Un grand frère. Dubim. Je pense qu'il est temps que je parte. D'accord. Transmets mes salutations à la princesse. Oh, je ne manquerai pas. Hmm? On se voit un autre jour. Votre Majesté, les dieux ont choisi 5 hommes qui feront ce voyage dans la forêt de la mort. Où ils trouveront Wani Mo, morte ou vive. C'est de cette façon que la paix rentrera dans notre royaume d'Umudo. Et qui sont ces hommes, si je peux savoir? Les dieux ont choisi Owa, Ike, Chukudumem. Et la quatrième personne? Est-il pas trop jeune pour une telle aventure meurtrière? Oui. Votre Majesté, en effet, ce voyage demande des hommes braves et Enimeya en fait partie. À part ça, les dieux l'ont choisi parmi les gens qui feront ce grand voyage. L'œil des dieux, n'y a-t-il pas quelqu'un de plus mature à Umudu que les dieux pouvaient choisir pour choisir mon unique fils? Mon petit garçon. Les dieux ont fait leur choix. Alors, qui est la cinquième personne? Votre Majesté, les dieux ont choisi votre beau-fils Abalante pour conduire les gens dans la forêt de la mort. Abalante connaît la clé de sa destruction. Thank you.
Est-il une autre façon pour les dieux d'essayer de t'éloigner de moi? Il ne peut pas choisir une autre personne, seulement toi. Pourquoi pleures-tu toujours ainsi, comme si je m'en vais mourir? Tu t'attends à ce que je sois contente? Dis-moi, c'est ça? Le nom du lieu où tu pars explique déjà tout. Les dieux me protégeront contre tout danger. Et je te promets par les dieux que je reviendrai vivant. Tu vas où? Je pars me soulager. Dépêche-toi. Nous devons quitter ici maintenant. Partons, partons, partons. Hé hey! Viens ici et partons. Dépêchons-nous. Vite.
Oh, par les dieux. Enyini, il y a quoi? Je suis fatiguée par ces marches. Pas d'eau, pas de nourriture. Comment on va survivre? Je veux rentrer à la maison. Pourquoi avais-tu accepté de venir en premier lieu? Sors pour combattre! Sors et arrête de te cacher derrière le vent. Je t'aurais tué il y a bien longtemps, si je l'avais voulu. Je n'ai pas peur de la mort, parce que je l'avais vécu. Je vais épargner ta vie, à cause de ce que nous avons partagé. Ça, c'était dans le passé. Je choisirais de trahir toutes les mémoires que nous avions eues, que d'épargner ta vie. Très bien. Voyons qui va mourir en premier, parce que tout celui qui ose entrer ici n'en sort pas vivant. Waïmo! Abolante! Aujourd'hui, je t'intronise, Igwe Demba Premier de Umuhdu.